Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Donc voici pour une sixième vidéo news. Cette fois-ci, je me trompe pas, parce que la fois dernière, j'avais mis un petit bandeau avec vidéo news numéro 6, alors que c'était la cinquième. Tu t'es parlé ? Non, je ne suis pas rendu compte. Il y aura forcément une erreur, je ne sais pas encore laquelle. Il y aura un truc qui ne va pas aller dans cette vidéo. Mais on va essayer de vous faire notre petite vidéo sur l'actualité ludique, comme chaque semaine. C'est ça. On va vous parler en premier des sorties, des jeux qui sont sortis cette semaine. Ouais, ensuite, on parlera des festivals et de l'actualité ludique. On parlera aussi des Kickstarter. Et puis on terminera avec la section sur notre actualité. On a très peu cette semaine, donc ça ira assez vite. Et comme d'habitude, vous pouvez aller directement vers la rubrique qui vous intéresse en regardant dans la description de la vidéo YouTube. Je mets les liens directs. Nous commencerons par les Poilus édition Armistice. Là voilà. Un jeu de Fabien Rifos et de Juan Rodriguez. Donc les Poilus, c'était une petite boîte de jeux. C'est un petit jeu de cartes coopératif. Et il ressort dans une grosse boîte cette fois-ci avec du matériel beaucoup plus impressionnant. Des belles figurines. Des figurines magnifiques. Et surtout, un mode campagne. Un mode campagne. Donc dans ce jeu, on va trouver plein de petits chapitres qu'il n'y avait pas dans la version de base, qui était juste un jeu de cartes qui fonctionnait très bien. Et cette fois-ci, on va avoir des scénarios différents. Il y en a toute une série dans la boîte qu'on va pouvoir jouer. Et qui vont amener des petites variantes à chaque fois. Exactement, des contraintes supplémentaires ou des petits bonus, des petits avantages. Et donc, comme un jeu à campagne, on va commencer par le chapitre 1, puis ensuite on fera le 2, le 3, etc. Pour découvrir un petit peu l'histoire. Et ils se sont même amusés à mettre des figurines qui sont juste splendides. Ces figurines-là, on les a vues à Cannes. Ouais, elles étaient exposées. Il y avait une magnifique exposition sur ce jeu-là qui a été illustré par Tignou. On en a beaucoup parlé au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et ces figurines-là, bah, elles sont magnifiques. Ça fait vraiment partie des jeux qu'on a envie d'avoir dans sa collection. On continue avec Sprint de chez Blue Orange. Donc c'est un jeu qui est dans la même gamme que Kikafé dont on avait parlé. C'est le même type de boîte et c'est le même illustrateur, c'est Stivo. Donc on le retrouve au niveau des petits animaux. Donc là, la mécanique originale du jeu, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un paquet de cartes. On va piocher une carte qui va nous dire par exemple 14. Dans le paquet suivant, on va devoir couper le jeu en deux. Donc je coupe le jeu en deux. Voilà, si par exemple j'avais pioché 14, vas-y, coupe le jeu en deux. C'est moi. Mais on a un seul coup, c'est ça? Ouais, on a un seul coup. Et là, on va compter dans combien de tas de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'en as 12, donc 14, t'aurais avancé de 4 cases, parce qu'en fait, c'est une course de lèvres et la tortue, on va quand même en parler. Si tu avais fait 14 au nombre exact, tu avançais ta tortue de 4, là, tu as fait 12, donc tu te trompes de 2, tu n'avances que de 2 cases. C'est sur le mécanisme de « je coupe les cartes ». Tout simplement. Incroyable, il n'y avait pas de jeu sur ce mécanisme. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu pioches une carte ici qui va dire de combien de cases avance le lapin. Donc là, le lapin, il avancerait de 2. Et après, on est sur un principe de course. Si le lapin arrive avant la tortue, on a perdu. Sinon, on gagne. C'est un jeu coopératif. Parce qu'on est la tortue. Oui. On enchaîne avec un jeu éducatif. Il s'agit de Histodingo. Donc c'est un jeu dans lequel on va travailler sur... On va travailler, parce que c'est un jeu éducatif, on va jouer évidemment sur le Moyen-Âge, mais avec des fiches qui sont très, très pédagogiques. On ne va pas en parler cette semaine, donc on vous le montre juste. Histodingo, on en reparlera la semaine prochaine, puisque Aline veut en parler, et elle n'est pas là cette semaine. Ok. Donc on enchaîne avec trois jeux à bas. Il y a la Vallée des Vikings, À toute vapeur, et Licorne dans les nuages. Alors Licorne dans les nuages... Nuages magiques, parce qu'en fait, il y a déjà un jeu Licorne dans les nuages qui existe. Que je dois avoir, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je ne sais pas si je l'ai gardé. J'ai eu à un moment Licorne dans les nuages, je n'ai pas beaucoup joué. Mais du coup, je n'ai pas acheté cette nouvelle version qui se base sur cet univers. C'est un jeu qui marche bien, hein, Licorne dans les nuages. Donc c'est ça, là, l'univers reste le même, mais la mécanique du jeu n'a plus rien à voir avec le premier jeu qui était sorti. On a donc À toute vapeur, ouais. Qui est un petit jeu à bas. Dans lequel il va falloir créer son petit train, donc en piochant des tuiles avec des wagons, et à la fin de la partie, on va prendre un ruban et on va mesurer celui qui a fait le plus long train. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas ces jeux à bas, donc on ne peut pas vous les montrer, mais le dernier m'intéresse tout particulièrement, c'est un jeu de Wilfried et Marie Faure, auquel j'ai eu l'occasion de jouer de voir la mécanique, j'y ai pas joué, on a essayé un petit peu le principe de bowling, c'est ça. Et j'avais très envie de faire une partie, parce que même s'il s'agit d'un jeu à bas, il est dans une boîte jaune, parce que là-bas ne fait pas que des jeux enfants maintenant, ils font aussi des jeux qui s'adressent aux familles, qui ne sont plus dans les boîtes jaunes, mais là c'est une boîte jaune, ça s'adresse aux enfants, mais on a envie d'y jouer entre adultes, parce qu'il y a un petit principe de bowling. Il n'y a pas que ça, mais il y a cet aspect-là qui est assez rigolo. Ensuite, on a le jeu Burgle Bros. Donc Burgle Bros, c'est un jeu coopératif dans lequel on va être dans un bâtiment et on va devoir se promener dans différents étages et essayer de cambrioler un coffre-fort, ou du coup des coffres-forts à chaque étage. C'est un jeu coopératif
Et moi, donc j'ai pas encore joué, mais la mécanique me rappelle un petit peu Room 25, ce jeu dans lequel on va avoir des cartes qui sont posées face cachée, et on va pouvoir donc se déplacer sur ces cartes, et une fois qu'on les révèle, il va y avoir des petites actions à réaliser. Et donc à chaque étage, le but sera de trouver le coffre, et essayer de le cambrioler, donc une petite mécanique de lancer le dé pour pouvoir l'ouvrir. Dans la catégorie extension, on a la première extension d'un jeu qui était très, très attendu, qui a très bien marché l'année dernière, c'est Welcome, un jeu de Roll and Write mais sans roll. Parce qu'il n'y a pas de dés avec des cartes. Des cartes contour. Et c'est le jeu de cette catégorie-là qui a peut-être le plus fait parler de lui l'année dernière. C'est un gros succès. Et cette fois-ci, on a un nouveau, de nouvelles fiches. On va de nouveau pouvoir construire ces quartiers de périurbanisation. Et avec des nouveaux mécanismes, puisqu'on a l'extension. Là. Il y en a plusieurs dans cette première mini-extension. Il y a plusieurs nouvelles règles. Il y a deux extensions, en fait. Il y a la chasse aux œufs, déjà. Oui. Dans laquelle on va devoir chasser des œufs. Donc c'est Guerre Atomique, la deuxième extension. Et donc je suis très content, parce que c'est vraiment un jeu qu'on apprécie. Et c'est l'occasion de sortir et d'essayer. J'ai de pas encore joué à ces nouvelles extensions, mais j'ai hâte qu'on s'y mette. Pour finir, on a l'extension Sombreval pour le jeu Valeria, chez Pixie Games. C'est ça, c'est eux qui font la traduction française et qui nous les rendent disponibles ici. Donc toi, tu avais joué à Valeria? J'avais joué au premier Valeria. Si je me souviens bien, c'était un print and play à l'époque. On pouvait imprimer le jeu qui était disponible sur Internet. On avait eu la chance d'y jouer. Il y avait un petit côté mini-ville. Alors, elle va surtout rajouter des cartes en plus, donc de nouvelles cartes pour renouveler aussi le jeu et une ou deux nouvelles mécaniques. On passe à notre rubrique festival. Donc, comme chaque semaine, il y a pas mal de festivals. Alors non, cette semaine, il n'y en a qu'un. Il y a sur deux semaines, ouais. Il n'y en a qu'un qui a lieu ce week-end. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens n'avaient pas envie d'organiser des festivals. Par contre, on va aussi annoncer ceux de la semaine suivante, parce qu'on va avoir un petit peu de décalage pour la prochaine vidéo news. Et je trouve que c'est mieux d'annoncer les festivals avant qu'ils aient lieu. Le premier festival, celui qui a lieu cette semaine, ce week-end, le 20 et le 21 avril, c'est le festival Finistère de Jeux. C'est déjà un gros festival. Celui-là, on en entend pas mal parler. À Fouesnant. Et donc la semaine prochaine, donc week-end du 26 au 29, on aura Gamefest à Limoges. Il y aura le salon du jeu à Plohermel dans le Morbihan. Le salon, c'est, alors je te fais confiance sur les accents. Non, je suis très bon en accent breton. Ouais. Le salon Schweppes en jeu à Salomé. Non, c'est Weppes. C'est où? C'est dans le nord, je sais pas. C'est dans le nord, c'est juste à côté chez, de Lille. C'est chez toi. Oui, ben oui, mais. Ensuite, on a 22 V'là les Jeux à Lamballe, en Côte d'Armor. Ensuite, Fête des Jeux à Antibes, juste le 27 avril, par contre. Le Festival des Jeux de l'Esprit au Mans, c'est 27-28 avril. Du côté de la Suisse, on a Orchidée à Lausanne. Et enfin, la chasse aux Jeux à Flins-les-Raches. Il y a un accent sur le A de Rache. Ah, d'accord. Alors, je ne sais même pas dans quel département c'est Flins-les-Raches. Et comme d'habitude, on remercie le site subverti.com qui nous donne toutes ces informations-là. Donc on va passer maintenant à l'actualité ludique et on va commencer par un mail qu'on a reçu de la part de Yellow qui nous explique que le prochain gros jeu CGE, donc Sanctum, va être localisé en France par Yellow. Et donc visiblement, c'est un jeu qui va s'inspirer du jeu vidéo des Hack and Slash. Donc Hack and Slash, si on l'exemple le plus connu, c'est le jeu Diablo. Donc c'est le genre de jeu dans lequel on a des créatures, on affronte plein de zombies, plein de monstres, de squelettes, on gagne des niveaux avec notre personnage, on évolue. Et donc visiblement le jeu va s'inspirer de ça. Et quand on voit le boîtage de Sanctum, si on regarde le boîtage du jeu Diablo, on a vraiment l'impression que c'est inspiré. On se posait la question de savoir si Yellow allait continuer à faire les jeux CGE, c'est un peu ça la grande nouvelle, parce que CGE c'est un éditeur qu'on aime beaucoup, qui font des jeux assez gamers. Pendant une période c'était... On était très contents que Yellow les adapte, parce que c'est des jeux qu'on trouvait plus systématiquement en français. Et donc, ils n'ont pas toujours tout traduit, il me semble. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été publiés. Mais économiquement, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je suis assez content de savoir que le prochain jeu de la gamme sera de nouveau disponible donc chez Yellow. Et sinon, du côté des applications sur tablette ou sur ordinateur, on a plusieurs nouvelles. D'abord, l'adaptation de Catan sur Switch. Ah bah du coup, sur console aussi, parce que c'est pas une tablette, la Switch. Oui. Arrête, attention. Oh, non. Oh. C'est une vraie console, une très belle console. Donc, je sais pas si vous jouez beaucoup à Catan encore sur table, mais vous pourrez maintenant y jouer sur Switch. Il faut avoir une Switch. Et il y a déjà Carcassonne, d'ailleurs, sur Switch. Il y a déjà plusieurs jeux comme ça de société qui ont été adaptés sur la Switch. Ceci dit, je me moque pas du tout, parce que l'application de Catan, je l'ai sur iPad, et elle est vraiment très bien. Mm-hmm. Il y a pas mal de modes, il y a un petit côté scénario qui fonctionne vraiment bien. C'est beaucoup mieux que le jeu sur table, de mon point de vue.
L'autre jeu qui est amélioré cette fois-ci, il était déjà sorti depuis un moment, c'est Terraforming Mars. On en avait parlé. Et on en avait parlé, nous on l'avait testé au tout début, donc c'était un peu encore la bêta, c'était pas super stable, il manquait des choses, il manquait notamment le draft, et ça y est, le draft arrive, le draft qui est absolument indispensable si on est un peu gamer, il arrive dans la version du jeu, donc il est disponible notamment sur Steam, je sais pas si elle existe sur d'autres plateformes, je crois pas. Je sais pas, à la base c'était sur Steam, donc est-ce qu'ils se sont déployés sur d'autres plateformes, mais à la base c'était Steam. Et donc ça vient enrichir le jeu. On attaque notre rubrique des Kickstarter. Cette semaine, il y a eu énormément de choses. On ne va pas parler de tout. On a fait une petite sélection des jeux qui nous paraissent les plus intéressants. Et le premier, c'est un jeu solo que nous a signalé Duncan, d'ailleurs, qui aime beaucoup les jeux solo. Merci à lui. Il s'agit de Maki. C'est un jeu de pose d'ouvriers sur le thème de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'imagine qu'on doit faire sauter des trains. Et... Duncan, donc, qui a fait une partie, nous a dit que le niveau était très relevé et que donc pour lui c'était une bonne chose parce que du coup on ne gagne pas la première partie, on a envie de rejouer, de retenter des parties. Et un peu à la manière de Pandémie, on va avoir la Wehrmacht qui va arriver, qui va forcément nous poser problème en tant que résistant et qui va se positionner sur des différents endroits de la carte. Et s'il y a trop de Wehrmacht qui arrivent, on va avoir une éclosion. Catastrophe. Je cite l'éclosion de Pandémie, évidemment, parce que ça m'a fait penser à ça. Mais c'est un jeu qui existait déjà, qui ressort, parce que je vois qu'il y a marqué 2013, il avait déjà reçu un prix, apparemment il y a le Golden Geek, il y a déjà pas mal de choses. C'était un jeu amateur, entre guillemets, qui était proposé en print and play. D'accord. On pouvait imprimer le jeu et jouer chez soi. Il avait gagné des prix sur le site Board Game Geek en tant que meilleur jeu de print and play possible. Et là, il est disponible en version imprimée. Il sera disponible pour ceux qui vont participer au Kickstarter. Et je vois qu'il y a déjà marqué, en gros, il était en 2 heures, l'objectif a été rempli. Donc, je ne sais pas si c'était un gros objectif ou si c'est vraiment que le jeu était très attendu. Bah, ça ne veut rien dire. Hein. Les éditeurs qui disent mon objectif a été rempli en 36 heures, s'ils ont mis 5 euros, bon, bah, oui, forcément. Non, c'est ça que je dis, en fait. Je ne sais pas s'il y a eu un gros objectif ou pas. Ça fait partie des argumentaires de Kickstarter qui sont à la fois incompréhensibles et en même temps, ça permet d'alimenter un buzz ça complètement fait, artificiel. Ça fait de la pour moi, ce n'est pas tant artificiel que ça, parce que si le gars il a demandé 100 000 et puis en 10 heures il y a 100 000, ça parle quand même, c'est quand même oui, pas mal. Sauf par contre, oui, si c'est 5 euros, on est d'accord. Voilà, sauf que la somme qui est demandée par les Kickstarter est très rarement la somme dont l'éditeur a besoin pour imprimer son jeu. C'est une somme qu'il fixe de manière plus ou moins aléatoire. Parfois, c'est beaucoup plus que que la somme attendue quand il s'agit de jeux de figurines parce qu'il faut en faire un très gros volume pour avoir du bénéfice. Et puis parfois, quand il s'agit d'un jeu de cartes comme c'est le cas là, avec un matériel très léger, ça sera beaucoup moins que ce qu'il faudrait nécessairement. Ouais. Et même les Kickstarter qui sont annulés et qui reviennent 2-3 semaines après avec un objectif plus bas, ça se voit aussi. Hein, et il y a parfois des Kickstarter qui sont annulés parce que l'éditeur sait qu'on va remplir son objectif, mais que ça ne suffira pas pour l'éditer. Donc il préfère annuler avant. Donc c'est une information qui... il annule alors qu'il a déjà rempli le... Parce qu'il sait qu'il va le remplir et qu'en fait, ça ne l'arrange pas, mais pas assez. Okay. Il va le remplir ce qu'il faut, mais il faudrait qu'il fasse 3-4 fois l'objectif qu'il a annoncé. Ensuite, on passe à Dungeonologies Expedition. Il s'agit d'un jeu de dungeon crawler. Okay. Alors, comme dans ce type de jeu, on va explorer les donjons, mais cette fois-ci, il est présenté comme un jeu non violent. Oui, parce qu'on va étudier les donjons plutôt que les vider de ses habitants. On est étudiant, on prépare sa thèse de dungeonologie, dungeonologie en français. Ouais. mais pour autant, c'est pas un jeu coopératif. On n'est pas tous amis les uns avec les autres. Il y a d'autres étudiants qui vont étudier également les catacombes, les donjons, qui vont explorer à côté de nous et qui vont nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de réussir nos objectifs et d'avoir le diplôme avant eux. Et il y a également, forcément, on est dans un donjon, il y a des monstres contre lesquels il va falloir peut-être combattre si jamais ils se réveillent et qu'ils nous surprennent dans le donjon. Ouais, ça va surtout être discret, je pense, et après, courir vite. Donc c'est un jeu qui sera proposé en version française grâce à la traduction de Don't Panic Game, dont on va parler plusieurs fois dans cette vidéo. Il y a l'air d'avoir du beau matériel. Ah oui, il y a des figurines qui ont l'air très jolies. Il y a des illustrations qui sont un petit peu comiques. Cartoon, oui, ce qui laisse présager que ça sera un jeu pour famille de gamers. Donc si ça vous donne envie, le jeu dans sa version de base est à 79 euros, ou directement avec une extension 100 euros. Et après, on rajoute à ça 20 euros de frais de port. On enchaîne avec Vampire la Mascarade Héritage. Alors, ce qui est le plus important, c'est de dire que c'est sur la licence d'un très célèbre jeu de rôle, Vampire la Mascarade, qui, dans les années 90, a cartonné
de manière impressionnante. Au passage, j'en profite pour vous dire que la 5e édition de Vampyr est sortie récemment. Il y a un petit kit d'initiation en français. Il y a quelques bouquins qui sont déjà sortis. T'as tout acheté ? Non, j'ai pas tout acheté parce que dans l'ancienne gamme, c'était énorme. C'était un Kickstarter aussi ou... Parce qu'il y a eu une série de Kickstarter qui sont sortis sur des jeux de rôle mythiques. Je ne sais pas si ouais, celui-ci en a non, fait partie. Ils avaient fait des 20e anniversaire en fait, de Vampyr, de Loup-Garou, en fait, tous les jeux de cette gamme-là. Ils avaient fait un peu de buzz, mais là, ils ressortent le jeu avec plusieurs extensions qui suivront, etc. Ils ont un peu... reconfigurer le monde, on va dire, voilà. Et alors du coup, c'est d'actualité d'ailleurs des Kickstarter sur Vampyr la Mascarade. Il va y en avoir, je pense, 3 d'ici un an. Donc, d'accord. Avec des éditeurs différents, voilà. On sait pas. Sur le jeu de rôle. Non, des jeux de plateau ou des jeux de cartes tirés du jeu de rôle. Voilà. Parce que c'est un univers qui est très riche. C'est un univers donc sur des vampires, mais alors. C'était qualifié de gothic punk. Ouais. Moi, je n'y ai pas joué, donc je ne me rends pas bien compte. Je ne sais pas si vous avez lu les bouquins d'Anne Rice, oui. Entretien avec un vampire qui a été adapté au cinéma. Ben, c'est un peu cette ambiance-là. Donc, c'est du vampire pas du tout à la Nosferatu ou à la Dracula. C'est vraiment du vampire moderne. Je connais ouais. Buffy contre les vampires, ça marche ? Ouais, t'enlèves le côté rigolo et... Oui, c'est plus sombre. Voilà. Okay. Ouais, c'est beaucoup plus sombre. Plus pour, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas du tout d'un jeu de rôle, il s'agit d'un jeu de cartes, et d'un petit jeu de cartes, puisque le temps d'une partie est annoncé assez court. Et c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va récupérer des cartes vampires à partir d'une rivière. Visiblement, il y aura une rivière sur la table. Il va falloir les faire matcher avec des couleurs. Ouais. J'ai pas tout compris au mécanisme, mais ça a l'air assez simple. Alors, l'originalité de ce jeu réside dans le fait que toutes les cartes vont être sleevées dans la boîte de base. Pourquoi ? Parce que quand on va transformer une carte en vampire, on va sortir la carte et on va la retourner. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le sleeve, il est transparent d'un côté et opaque de l'autre côté. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'il y a au dos de la carte. Voilà. Donc, c'est la surprise qu'on aura. Et ensuite, les personnages pourront aussi être améliorés. Et là, ce sera des stickers à coller sur les cartes. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le jeu Legacy, où on évolue, et après, le jeu, on ne peut plus forcément le réutiliser. On doit refaire un scénario qui avance, qui évolue dans le temps. Oui, c'est ça. Vraiment... En fait, on veille au destin d'un clan sur 7 siècles. Donc, du début du 14e siècle à la fin du 20e siècle. Et il y aura 7 chapitres qui représentent 21 parties à jouer. Oui. Donc c'est vraiment, moi c'est l'aspect qui m'intéresse, parce que le jeu en lui-même, les mécanismes me paraissent assez simples, mais par contre cet aspect aventure, un peu épique, qu'on va poursuivre sur pas mal de parties, bah, ça fait envie, c'est ce dont on a envie quand on est joueur. Oui, on va traverser l'histoire, on va rencontrer je pense plein de personnages connus, Napoléon, je sais pas, Charles Quint, j'en sais rien, mais... Donc ça va être rigolo de les voir. Ok, très bien. On va faire des petits coucou. Et au niveau du prix, vous avez d'autres choses à dire ou on parle du prix ? Bah, la version française sera assurée par Don't Panic Game. Ok. Donc, comme Dungeonology, ils ont beaucoup de travail cette semaine. Et donc le jeu coûtera 59€ en version standard et 89€ en version deluxe avec seulement 32€ de frais de port. Donc ça va. Ensuite, je vous propose de passer à Anachronie Fractures of Times. Donc c'est une extension pour l'excellent jeu Anachronie. Ok. Et qui sera en version française. Qui sera en version française, qui était déjà en version française sur le jeu de base. Il y avait une grosse boîte. En tout cas, il y aura une infinite box, c'est-à-dire une boîte plus grosse que celle-ci, dans laquelle on pourra ranger tout ce qu'on avait dans la version de base, plus ce que comporte l'extension, c'est-à-dire un nouveau module qui va rapporter déjà une race supplémentaire, qu'on pourra jouer en plus, mais également un nouveau système avec des nouveaux ouvriers. Pour rappel, dans ce jeu-là, on a des petites figurines, des exosquelettes dans lesquels on glisse des ouvriers et qu'on va pouvoir poser sur le plateau central. Mais ça, c'était dans la version de luxe aussi, non ? Parce qu'il me semble que j'avais vu une version qui n'avait pas ces petits... La version boutique. Dans la version boutique, c'est des bouts de carton sur lesquels on pose des bouts de carton. Ouais. C'est un peu moins magique. Mais dans la version de luxe, on a des exosquelettes en plastique. Les mécanismes ne changent pas entre la version standard et la version de luxe. C'est juste le plaisir de jeu avec ces figurines qui va être amélioré. C'est souvent le cas. Et donc, cette fois-ci, en plus de l'aspect pose d'ouvrier, on va poser des personnages sur le plateau central, on aura également la possibilité de les déplacer sur le plateau central, puisqu'il y en a certains qui peuvent se téléporter d'une zone à une autre. D'accord. Donc c'est un des mécanismes supplémentaires qui sont rajoutés. Il y a également un nouveau plateau, il y a plein de choses. Il faudra rentrer dans les détails si vous voulez en savoir plus. Mm-hmm. Le jeu de base est très bon.
Est-ce qu'on pourra le racheter dans ce nouveau Kickstarter? On pourra racheter le jeu de base légalement pour ceux qui ne l'avaient pas et qui veulent avoir la totale avec toutes les figurines qui sont difficiles à trouver. Donc là, la totale, si tu veux tout racheter, il faudra que tu payes 133 euros. Ça va. Par contre, l'extension, elle, ce sera 40 ou 53 en deluxe. Mais je vois qu'il y a environ 15 dollars de frais de port, et c'est ça me semble très très peu quand tu vois le poids de la boîte. Voilà, comparativement à d'autres. Encore une fois, les frais de port, c'est un élément sur lequel on se base souvent pour savoir si on achète un jeu ou pas. Ouais. Les éditeurs en ont conscience, donc certains préfèrent monter le prix de leur jeu de base. Celui-ci, ben, peut-être qu'il ne coûte pas 53 euros, mais qu'il coûte, coûte 40 euros. Donc on en met une partie sur le jeu de base, et après les frais de port on met moins cher pour ne pas faire peur aux gens. Le prochain jeu, c'est Roam, comme prononcerait Martin. Voilà, ou Rome, comme prononcerait Jérôme, peut-être. Un jeu de Ryan Locat, illustré par Ryan Locat, comme d'habitude. Et édité par Ryan Locat, puisque je pense que c'est lui qui gère Red Raven Games. C'est un créateur qui fait un peu tout. Mmh. Ça me fait rêver, en tant qu'illustrateur également, de pouvoir à la fois faire son jeu, trouver les mécanismes, l'éditer après, et gérer également le financement en passant par Kickstarter, parce qu'il passe systématiquement par Kickstarter. Donc Ryan Lockett, il a sorti une série de jeux familial plus, et c'est des jeux qui, de mon point de vue, manquaient un petit peu de profondeur. Moi, je préfère souvent ces jeux un peu plus légers. Ok. Il y en a une série qu'on avait joué qui sont très bons, et j'ai l'impression que ça, c'est plutôt dans la catégorie qui me plaît bien. Un jeu avec des mécanismes assez simples, un petit côté jeu abstrait malgré tout. On a un plateau central qui est composé de cartes sur lequel il y a 6 cases à chaque fois, et sur lesquelles on va poser des marqueurs à sa couleur en fonction de personnages qui nous permettent de le faire. Okay. Et quand on a posé des marqueurs sur une carte et qu'elle est complètement remplie, celui qui en a le posé le plus, celui qui a la majorité, va prendre la carte terrain, va la retourner, un peu à la manière de Vampire the Masquerade. De l'autre côté, ça devient un personnage qui va rejoindre. Ah oui. Donc c'est un peu un jeu abstrait d'une certaine manière, c'est assez bien vu, mais c'est un jeu abstrait qui va jouer à 3 ou 4, donc il va y avoir forcément un aspect hasard qu'on n'aime pas toujours. Non, c'est pas du hasard, c'est simplement que le joueur d'avant va nous permettre ou pas de compléter une carte, et en fonction de ses actions, on va avoir cette possibilité-là. Donc il faut le savoir, c'est un mécanisme qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais si on aime bien ça, ça m'a l'air plutôt sympathique comme type de jeu. Et tu dis donc que lui, il crée son jeu, il l'illustre, il l'édite. Est-ce qu'on a des chances? Est-ce qu'après, il les sort en boutique généralement? Est-ce qu'ils sont repris par... Oui, ils sont réédités souvent. Alors, il y a certains qui sont édités par Yellow, pas tous. Le dernier, parce que dans ce Kickstarter-là, on a la possibilité de récupérer également Haven. Je sais pas comment on prononce en anglaise. Je ne sais pas. C'est quoi? Je suis pas spécialiste. Donc, c'est un petit jeu pour deux joueurs qui est très bien noté sur Board Game Geek. Et du coup, ça a attiré mon attention. J'ai regardé, il est disponible sur les boutiques françaises. Okay. Donc, peut-être essayer de le récupérer par les boutiques françaises. Et ce jeu-là, je vais sans doute le récupérer également en boutique, parce qu'il y a beaucoup trop de Kickstarter cette semaine. Donc, je vais pas le faire. Je vais avoir l'impression d'économiser de l'argent. Donc là, pour être clair, le jeu, si tu veux prendre le jeu donc Rome, il coûte 19 euros. Par contre, si tu payes 55 euros, tu as tous les add-ons du jeu, dont le jeu Haven dont tu viens de parler. Oui, qui n'est pas un add-on. Qui n'est pas un add-on, qui est un autre jeu. Mm. On continue avec, cette fois-ci, l'extension d'un excellent jeu, à savoir Terraforming Mars, et donc on a l'extension Turmoil qui arrive. Donc Terraforming Mars, c'est un jeu qui connaît un succès énorme dans la catégorie des jeux de gestion draft. Carte à combo, oui. Et qui n'avait pas tellement besoin de passer par Kickstarter, mais pour la première fois, l'éditeur a décidé de faire sa nouvelle grosse extension, la plus grosse extension qu'il y a eu pour le jeu. Ce qui est surtout bien, c'est qu'il y aura des... je ne sais pas comment on dit... Des plateaux individuels en deux dimensions, en trois dimensions, dans lesquels nos petits cubes qu'on posait pour marquer nos ressources avaient tendance à se balader avant sur le plateau extrêmement lisse d'un jeu dont le matériel est très cheap à la base. Et bien cette fois-ci, ils ont pris ça en compte. Ils ont fait des plateaux dans lesquels il y aura des petits logements où on pourra insérer nos cubes, ils ne se baladeront plus. L'autre chose qui était très cheap, c'était les tuiles que l'on posait sur le plateau central et que beaucoup de joueurs ont imprimé en 3D. Ça a permis, je crois, de lancer les imprimantes 3D. C'est ça, et puis la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui vont permettre de lancer les imprimantes 3D. Ouais. Et donc, mais là, ce n'est pas pris en compte. Il n'y aura pas dans cette extension les tuiles en plastique. Ah oui. Bon, mais sinon, il y aura quand même des règles qui semblent intéressantes, puisqu'on aura la possibilité cette fois-ci d'avoir des événements qu'il va falloir gérer, qui vont arriver en cours de partie. Donc à chaque tour, on va voir l'événement du tour en cours, mais également les événements des prochains tours, des deux prochains tours, auxquels il faudra s'adapter. Alors je ne sais pas
en quoi ça consiste exactement. J'ai pas lu les cartes. J'espère que ça sera pas trop chaotique, notamment en fin de partie quand on a toute sa stratégie qui est déjà bien construite et qu'on peut plus tellement s'adapter, puisque malgré tout, faut suivre sa stratégie dans Terraforming Mars. Et sinon, bah, comme c'est un excellent jeu, le financement s'est fait extrêmement vite. Il y a beaucoup de monde qui a déjà pledgé ce jeu. Et c'est très bien parce que, donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'on est sur Kickstarter avec Terraforming Mars. Par contre, ils nous proposent quand même, en payant 123€, d'avoir en plus de l'extension-là, la totale. Donc les autres extensions déjà sorties, le jeu de base. Donc on a quand même la possibilité pour les retardataires de s'y mettre. Et je ne sais pas si on l'a dit, mais il y aura une version française aussi qu'on pourra acheter. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est pas donc Panic Game qui s'en occupe, exceptionnellement cette semaine. Et donc c'est 123€ la totale et 30€ si vous voulez juste l'extension. Et on termine avec un petit jeu un peu atypique qui se base sur un matériel original, c'est Folding Space. C'est un jeu d'Alan Moon, l'auteur des Aventuriers du Rail, et de Bobby West, illustré par Vincent Dutray. Et dans ce jeu-là, on va avoir un petit plateau qui m'a fait penser au jeu Keeper, parce que c'est exactement le même système qu'on a dans Keeper. Un petit plateau qu'on peut retourner éternellement, ça ne s'arrête jamais. Sur le casse-tête, bloqué. Ouais. Hop, dans ce plateau-là. Là, on a une figure, on peut s'arrêter là, et on aura plusieurs icônes qui vont nous servir pour le jeu. Et puis on peut continuer à le tourner indéfiniment. Les joueurs vont avoir chacun ce petit plateau devant eux, ils vont s'amuser à le plier. Ah, ils vont avoir, pas celui-là, parce que ce sera les icônes qui seront adaptées au jeu, ça c'est celui de Keeper. Quand ils seront contents des icônes qu'ils auront devant eux, ils vont le poser. Ils ont 10 secondes pour choisir la bonne face. Ensuite, tout le monde va le dévoiler en même temps, et en fonction de celui qui a la majorité pour chaque icône, on va avoir soit des armements pour son vaisseau spatial qui navigue dans l'espace, soit des actions qui permettent de se déplacer, d'aller sur différentes planètes. C'est un jeu qui va jouer à partir de 3 joueurs, tout simplement, parce que si on arrive sur la même planète, là, il va y avoir des affrontements. Et on va utiliser son équipement qu'on a gagné avec ses actions d'équipement. Pas toujours le même équipement en fonction de la planète. Il y a certaines planètes qui auront besoin de canons et d'autres planètes où on va se battre au corps à corps avec des épées. Et donc forcément, si on joue à deux, c'est pas super intéressant. Il faut qu'il y ait pas mal de joueurs pour que ces affrontements aient lieu. Okay. Donc tout tient à l'originalité de ce matériel. Après, les règles, je les ai regardées succinctement. Elles sont pas expliquées sur le Kickstarter. Il faut aller sur le site Board Game Geek pour télécharger la règle. Il y a une vidéo sur Kickstarter, comme toujours, mais pas plus. Et bah, ça a l'air assez original pour le matériel. Moi, j'ai très envie d'essayer. Je ne sais pas si ça me correspond particulièrement. J'ai du mal à me rendre compte. Mais ça, ce petit système-là que j'avais beaucoup aimé dans Keeper, ça qui est un jeu de gestion, là, dans un autre type de jeu, on va pouvoir le réutiliser. Et peut-être que c'est très, très amusant. Peut-être que ça ne marche pas du tout. J'en sais rien. Oui. T'as pas l'air motivé. Ah, moi, j'ai une petite idée, mais bon. Non, c'est peut-être t'avais joué à Keeper ? Oui, j'ai joué à Keeper, mais Keeper, c'est un jeu de gestion, c'est pas un jeu où on tourne des trucs. Oui, ça s'adresse pas du tout au même public, et donc a priori pas à toi, mais à jouer avec des enfants, ça peut être très, très amusant. Ok, donc si ça vous intéresse, vous en avez pour 35€ le jeu de base. En édition de luxe, vous payerez 58€, et on compte 8 à 10€ de frais de port. Et on va terminer cette vidéo news par notre actu. Donc cette semaine, c'est une actu assez légère. On va déjà parler de la prochaine vidéo qui sera diffusée, donc à savoir le carton numéro 24 qu'on a déjà tourné, qui reste plus qu'à monter. Ça sera le dernier carton de la première formule. Après, on réfléchit à un renouvellement de la formule. Modifier un petit peu le carton depuis que la vidéo nous est là, oui. Et ensuite, on va parler un peu des commentaires. Donc on va parler d'un commentaire, je te laisse en parler. Oui, bah, y a Pierre Chat qui nous a laissé un petit commentaire pour nous dire qu'il avait une bonne idée pour Paris Ludique. Vous savez qu'on sera à Paris Ludique. Et qu'on aura un stand et qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur ce stand. Donc il y aura des rencontres, on espère quelques rendez-vous avec des gens avec lesquels on a envie de discuter. Et Pierre Chan nous propose de faire aussi de s'affronter sur Season, de défier les gens et qui viennent nous affronter sur Season. Alors on va pas le faire à Paris Ludique, mais sachez que si vous avez envie de nous affronter, Season est présent sur le site Board Game Arena et nous on y joue très régulièrement. Alors souvent à deux. C'est ça. Fois on s'ennuie, on fait machinalement un season, ça réfléchit. Puis un autre. Si vous voulez nous rajouter sur Board Game Arena, qui est un excellent site, donc il faudrait que je reparle un de ces quatre. Bah, fais apparaître notre petit pseudo ici, ouais. Voilà. Hey, ça, moi, c'est Wittberg, je crois. C'est compliqué, toi, t'es original. Toi, ouais. Toi c'est Syl25. C'est Syl25, SYL25, tout attaché, mais on va les noter pour être sûr. Je sais pas si tu fais du Board Game Arena. Si, j'ai un compte sur BGA, mais je ne me souviens plus du pseudo, ça va être Jérôme avec des 3 à la place des E, tu vois, un truc comme ça. T'as eu la chance et t'as pu mettre Jérôme en pseudo. Oui. Donc, Season, moi, je suis toujours partant. Et il y a beaucoup d'autres jeux qui sont disponibles sur ce site. Très bien, BGA. Oui. Et bien voilà, on en a fini de cette 6ème vidéo news. La prochaine vidéo news, on la tourne dans une dizaine de jours, vendredi prochain. Elle sera diffusée normalement en début de semaine suivante, donc lundi ou mardi, on verra bien. La semaine prochaine, il y a juste un carton. Okay.
Et puis d'ici là, on fera sans doute plein d'articles. Oh là là, plein, sûrement. À bientôt. À bientôt. Au revoir.